Des fois, qu'on a demandé, est-ce que c'est vrai, ça n'a constaté actuellement là, dans le pays d'Haïti. Sorti dans la plus grande autorité, pour arriver dans un simple citoyen, nous remarquons que tout le monde a gardé ensemble avec un air totalement indifférent, chute pays d'Haïti. Un pays qui c'est une bombe à retardement, dans n'importe quel moment, qui a explosé. Non, mais nous. Pays d'Haïti a plus passé 5 années depuis les sous-mode lock. Éducation nous lock, santé nous lock, justice nous lock, économie nous lock, politique nous lock. Ça veut dire, pas de rien qui a fonctionné dans le pays. Apparemment, nous devons avoir quelques institutions qui a fonctionné. Parce que moun sa yo gen assez audace, j'ai assez cherche pour yo lever chaque jour, pour yo mettre rad sou yo pour y al travail. Est-ce que nous connaît nan moment nous a parlé à la gen moun yo doué 3 ans, 4 ans jusqu'à 5 ans salaire nan institution pays d'Haïti. Nan boîte l'état Jean nous rele wa gen moun yo doué plus passer 3 l'année. Et ça qui pire là, c'est que moun sa yo, yo pa ka kite travail yo, parce que yo pa gen l'autre espoir. Nan tête pa yo, le yore si ba yo chèk la, eh bien, yap kapab subvenir ensemble avec kek besoin pour tête yo, ensemble avec famille yo, qui donc yo continue à prendre douleur. Yo continue à demander prêter pour yo lave rad pour yo travail. Yo continue à demander prêter pour yo payer machine nan l'espoir. Ou yo jou l'état va voyager sous yo pour payer yo. Mais ministre en dans ministère pays d'Haïti a touché presque 1000 dollars américains, gain plus passé 25 000 goud l'argent gaz dans mais yo, gain plus passé 100 125 150 000 goud sous 4 de débit yo, alors que gagne moun qui pas touché. Nous ouais qui côté corruption a commencé. Yo moun a touché presque environ 1000 dollars américains par mois. Yo bal yo kaste l'argent pour l'acheter gaz, mette dans machine ni. Et yo bal yo l'autre quantité sous 4 de débile. Ça veut dire pour l'acheter n'importe là, n'importe moment que livré. Et ou bon quoi, j'aime tende, gen yon ministre qui a fait manifestation, gen yon ministre qui monte au créneau parce que yo pa paye au mois. Mais wap ge pou tande employé sa yo a plaigné, y a subi pas en bas parce que si yo pa l'effort, non seulement yo pa paye yo, mais yo a risqué perdre job yo. Est-ce que nous au courant là? Luis Abinader te fait yo promesse côté la ba yo grande partie nan salaire li ensemble avec des organisations sociales en République Dominicaine. Ces dernières années, Luis Abinader qui a bail environ 7 millions de pesos dans l'argent li a touché, soit 450 000 dollars américains. Il est le président de la République. C'est ça qu'on a gagné pour le faire. Li gagné pour satisfaire besoin peuple. Et li fait tout ça capable pour le faire. Li marché, la cherche contrat. La cherche côté développement yé, li installe station de recherche la Kali, li fait tout ça ou konne, yo président qui vle pays le passé de sous-développé à développé et même très développé a fait pour peuple yé capable vivre mieux. Est-ce que nous tendez? Nan salaire personnel li oui, li retiré. Alors que nan pays ya la, pays d'Haïti, yo pa bon regle anye pou yo. Lo leve kapè pou al manifeste, yap revoke ou du moins yap retire nan salaire ou an encore. Et nap redil, c'est parce que etere moun sa yo poko touche, c'est ça que fait ki yon paquet bagay nou a fait face ensemble avec yo nan pays d'Haïti. Nou pa pral di pays a pa gen pilote à bord. Il y a bien quelqu'un qui est en train de diriger et de prendre des décisions au nom du pays. Qui sa moun sa li même li ap regle.
Nous imaginons si quelques décisions qui ont commencé à prendre dans le pays, qui allaient contre ministre, qui allaient contre juge, premier ministre, président de la République, qui ça qui t'a privé dans le pays d'Haïti. En tout cas, mesdames et messieurs, information yo en pile jodi a et nous remarquons que situation est vraiment compliquée dans le pays. A. Nous remarquons que j'entends yé, et bien c'est qu'on s'attention yé actuellement là dans le pays d'Haïti. Agénor Kadè, qui c'est ancien ministre éducation nationale là, pral sorti un livre qui porte nom l'autre Jovenel. Qui ça exactement intitulé livre ça lui-même, livre dit qui message Agénor Kadè t'a voulu porter ensemble avec population haïtienne. Cause visa République Dominicaine retourné sous béton encore côté gayon journal dominicain et bien qui savonné consulat République Dominicaine qui en Haïti yo qui ça causé a dit exactement non titre qui pas trop longue nous pour joindre plus détail. Duel qui pété entre Fednel Moncheria Jean-Noté Julien acte 2 scène 3 li a continué parce que Ronnie Timothée lui-même li fait monologue parle qui ça qui passait exactement qui fait journée jodi à la nous tomber côté nuyé. Gè diverses autres informations qui pral faire essentiel actualité nous jodi à tout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sous TAC Info Plus avec Fabiola Jean-Charles. Encore une fois, nous comptons rentrer la caillou pour rubrique information ça. Mais avant de commencer, n'a profité de dire merci. Merci ensemble avec vous-même qui like. Merci ensemble avec vous-même qui abonnez, qui commentez, qui partagez. Et merci ensemble avec vous-même tout qui permet à la communauté TAC Info Plus là grandit chaque jour pendant wap invité yon lot moun vin abonné ensemble avec chaîne. Jodi a c'est mardi 19 avril 2022. Je vous ai commencé déjà, situation li vraiment terrifiante et délicate actuellement dans le pays d'Haïti. Côté nous avons l'impression nous sur un avion qui pas gagné un pilote à bord et dans n'importe quel moment et bien avion ça lui-même li capable écraser. Donc pays d'Haïti c'est un nouveau bombe à retardement et ça qui puis doit là c'est que tout le monde fait comme si je pas comprendre qui ça qui a passé ensemble avec pays ya. Parce que tout autant intérêt personnel yo pas touché ça pas intéressé yo. Imaginez nous lever un jour nous dit OK jodi a la ministre pas travail il a fait un mois comme ça et nous pral commencer menacer intérêt personnel yo l'argent qui pral vin dans poche yo a, nous pral faire une façon pour pas rentrer dans poche yo petit yo y a plaidé voyer l'autre boa et bien nous pral faire une façon pour nous exiger yo pour ba nous yo meilleure éducation yo meilleure santé. Nous imaginez nous ministre santé publique à un moment c'est un grand monde qui malade alors que il t'a doué youn nan moun ki pi en santé qui existait parce que qui je pral faire coordonner ça qui gen a wè ensemble avec la santé si propre santé pas ou pas bon qui jan ou pral faire yon bagay comme ça qui donc tout autant intérêt personnel intérêt mesqué moun sa yo ap défendre pas menacé et bien connait nous pas réaliser nous pas joindre yo solution ensemble avec crise si la pas gen petit yo pas gen madame yo pour kidnapper pas gen famille yo pour kidnapper pas gen moun yo qui a sorti dans la rue ou tande li recevoir yo cartouche parce que la police nationale d'Haïti pas ka jouer wali qui se protéger et servir pour faute de matériel.
Pendant que la police n'a pas gagné matériel, mais où tendez toujours des armes qui ont rentré dans le pays d'Haïti, qui ont distribué ensemble avec Bandi. Avant que Bandi ait exigé 100 000, 200 000 dollars américains, ou qui a fait manœuvre pour être capable de joindre, pour être bali, afin pour être capable d'éviter des déblosailles, alors que nous gagnons un corps police qui besoin formation, qui besoin matériel pour être capable combattre ça qui a passé, situation chaotique ça qui a évolué actuellement dans le pays. Qui donc ça veut dire là, gouvernement pas décidé de prendre responsabilité dans aucun sens ensemble avec situation ça. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave pour le premier ministre qui gagne toute tâche ça yon nan men. Non seulement il pas veut partager tâche afin pour capable soulager, mais c'est pas un yen li ap regle. 9 mois plus tard, Ariel Henry poko fait un nouveau pas. Ariel Henry poko même rache un tizèb pour empêcher pied au monde ta glisser sous lui pour tomber dans le pays. Alors que li continue à faire des discours. Toute journée, c'est avec et moi, je suis attristé. C'est avec tristesse, nous allons prendre des décisions fermes. Afin de combattre quoi? Pays a continué à enfoncer dans le trou noir, dans un trou vide, dans un trou puant chaque jour. Pas de pièces de décision ferme qui prend vrai dans le pays. Tout bagaille continue à mal avancer. Taux du jour BRH à 106,26 gourdes. Nous imaginez? 106,25 gourdes. Que toyé et dans la rue ou je n'y a 120 125 goud. Donc ces gens d'irrégularité ça yo qui gagne qui permettent économie ou du moins qui cause économie en journée jodia li pas capable lever camper ou imaginons ou pas vivre dans un pays qui servit avec dollars américains mais ou obligé acheter en dollars américains. Et ou pral changer à 106 gouttes ou pral acheter à n'importe 130 gouttes, ça veut dire encore l'autre fois, c'est ou même qui fait déficit, pas qui est pièce ministère qui a régularisé en yen dans le pays. Pour produire au goud, ou besoin 3,25 gouttes. Pour produire yon goud, oui, ou a besoin 3,25 gourdes. Qui donc, ça qui est l'économie, nous mettons commencer à faire quoi sous lui et nous connaissons que l'économie au pays repose sous épaule politique pays. Tout autant politique là a effondré et mais c'est tout autant économie ça lui-même, li pap existe. Mes amis, moment arrivé pour nous au moins prendre conscience. Moment arrivé pour nous capable de commencer à exprimer qui ça nous sentit correctement. Et c'est bien dommage, dans le pays d'Haïti, pas gagner ça qui relève la liberté d'expression. Moi, je regarde une vidéo côté un Français qui campait en face Emmanuel Macron qui dit que c'est pire président la France te ka koné. Macron sourit pour dire que ça gagne liberté d'expression. Donc, il doit dire qu'il s'est senti. Il doit dire qui ça ouais parce que c'est à travers ça la capable améliorer. Mais dans le pays d'Haïti, ou pas qu'à oser ouvrir bouchou pour parler comme ça. Quand l'autre t'a plevo, quand l'autre t'a couché ou. Nous comprenons? Même si c'est un manque de respect lié envers le président, quand même. Mais au moins, ou est que la liberté a? Ou ta bonne dit en Haïti, ou pas ta fou en yon, mais ou tende, fou mou jouen nou assassiné. Yo pays kote nou dit, nous a fait démocratie. En tout cas, Agenor Kader, qui se ancien ministre éducation nationale là, nous connaît, qui te gen yon grande amitié envers président Jovenel Moïse, décide écrit au livre qui a sorti très bientôt, qui pote non l'autre Jovenel. Côté exactement, li a essayé de détailler tout projet et prendre vrai visage président Jovenel Moïse, qui sa président lui-même, li te gagné dans Jacouti pour pays d'Haïti.
et qui ça qui cause et bien yo ta arrivé assassiner président Jovenel Moïse pour propre conviction. Et bien Agenor Kader lui-même il a passé partout les moyens pour être capable kembe vivant mémoire président Jovenel Moïse, contrairement à ces jovenelistes là côté ote bay tête yo non ça côté ote même fait yo mouvement qui capable continuer eh bien fait avancer idée président Jovenel Moïse. Mais où se cache-t-il en ce moment? Où se trouvent les jovenelistes? Qui ça qui passait? Parce que jusqu'à présent dossier assassinat président Jovenel Moïse là, lui dans les tiroirs de la justice. Qui ça qui a passé exactement? Son question, yo pas quatre moun a posé. Nous t'es chaud. Qui ça qui fait nous fret? Est-ce que président Jovenel Moïse pas mérité justice encore? Est-ce que idée président Jovenel Moïse yo pas décidé pérenner encore? Qui ça qui a passé exactement? Agenor Kader lui-même, lui pas décidé baisser les bras, lui mener combat ensemble avec Plumli, ensemble avec Kayel. Chaque monde ka mené yon combat ensemble avec ça lui possédé comme atout. Ou son poète, ou son slameur, ou son écrivain, ou son chanteur, ou gagne tout bagay yon nan moun pour capable faire voir passer, pour capable défendre pays, pour capable défendre intérêt pays, parce que je le jodi a la intérêt pays d'Haïti li bafoué, avenir pays d'Haïti li hypothéqué. Donc ça veut dire c'est peuple en soi qui pas gagné yon avenir. Donc li important là pour nous ta commencer prendre responsabilité nous en tant qu'humain. Féministes qui a mené yon modèle combat, nous pas vraiment comprendre dans pays à la. Qui ça nous fait ensemble avec l'autre monde qui a vivio? Est-ce que combat ça mené, c'est combat pour égalité femme à garçon seulement? Est-ce que combat ça pas supposé yon combat pays, yon combat totalitaire? Qui ça qui a passé, qui ça qui a réglé exactement ensemble avec pays à? Histoire des visas dominicains, visa Yavon. Normalement, parce que nous connaissons acheter, nous acheter visa dans le pays et même consulat République dominicaine avant visa. Nous imaginons gagner environ 79,5 millions de dollars américains qui rentraient de 2015 à 2020, mais c'est seulement 11 millions que République dominicaine joue la donne. Qui côté 68 millions ça passé? Qui côté li passé? De corruption a continué fait dans le consulat en Haïti. C'est ça qui fait un paquet dominicain ta remé vin travail dans le consulat dans le pays d'Haïti. Côté, yo même ensemble avec tout Haïtien, mette ensemble pour capable de faire raquette, pour capable de faire corruption. Et ce qui est plus dur dans l'histoire, c'est que normalement, moun yo même vend faux visa. Ou imaginez ou bay 400 dollars américains pour un visa et puis vous regardez son faux visa ou bay ou qui sont absenti exactement dans moment ça ou paraît sous frontière là et puis vous obligé faut retourner ou gien faux visa ou acheter ensemble avec l'argent comptant qui donc moun yo continue à faire pays d'Haïti méchanceté dans toute façon. Dans toute façon oui, bagay yo pas bon là. Donc ça vient dire enquête ça qui pral ouvrir sous visa dominicain yo, nous pas besoin étonner les nouais, c'est haïtien qui plus victime malgré c'est eux même avec dominicain qui mettait tête yo ensemble pour yo craser consulat en dans pays a. J'ai un désolé, eh bien gars qui gagne entre Fednel mon chéri ak Timothée Ronian continue. Woni Timothée t'a répondu Fednel qui t'a participé dans un assassinat qui t'a la cause environ 72 victimes. Côté Fednel mon chéri, non seulement selon DCPJ, selon RNDDH, selon BINU, ta auteur intellectuel là mérite vraiment actif souterrain pour capable participer et bien non massacre ça qui t'est arrivé fait là. Pierre Espérance qui n'a tête réseau qui a défendre droit moun nan te fait connait tout que base crache di fait installer koyo nan youn nan kay Fednel mon chéri ancien directeur général ministère intérieur à collectivité territoriale. Donc ça veut dire Wally Timothée fait connait
dossier soka banque fait Delmo chéri a parlé de lien. S'il y a preuve, il a supposé arrêter déjà. Et s'il était en place fait Delmo chéri, dans le moment que il était directeur général là, il te gagne un tel dossier sous dol, il t'a arrêté directement. Qui donc moun sa yo c'est corruption. Yo a fait nan pays ya. Li pote plus précision pour corriger kaye fait Delmo chéri pour le faire songer. Maman c'était yo gros machin manger nan Bel Air qui donc maman pas déjoué parce que li t'a volé manger en bas péristyle loyau. Papal c'était yon pensionnaire de l'armée. Papal mouri en 1985. Ça veut dire papal pas ta vivre nan époque côté wa volé ensemble avec Zam pour al pote bay bandi pour capable faire assassinat qui donc fait nan mon chéri supposé poser ça parce que yo ta dwe getan arrêté déjà selon Roni Timothée. Nous remarquons là groupe armé ensemble avec groupe armé a fait la guerre, opposant ak opposant a fait la guerre, moun ki nan pouvoir ak de pouvoir à faire la guerre bagayo kounya pile sous pile yo paquet kakachat commencer mettre dehors yo paquet accusation à fête même si quelqu'un carré c'est diversion mais à travers diversion on va toujours joindre yo graine vérité la donne quand même qui donc situation li vraiment sadique. L'autre information, Arnel Belizer, le présumé Lavalas, Mbieta Avola, Magali Habitant, qui c'est un PHTK, tête calée, tout rose, tout rouge, eh bien, c'est Madame Li que Madame Nadi même lié, parce que c'est Magali Habitant qui a fait toute montée des scènes dans l'hôpital là, ensemble avec Arnel Belizer qui annonçait que dans le fin mois d'avril, le combat a recommencé parce que li a tourné sous dossier, li a tourné sous béton. Est-ce que ça t'avait dit, dans moins de mois, Arnel Belizer t'a récupéré de plusieurs cartouches, li t'a recevoir dans Bel Air, ça nous pas connaît qui donc. On a Belizer là très bientôt. Nous qui devons attendre lui-même avec Magali Habitant pour le marier ou du moins mariage a été fait à huit clos. Qui donc, moun yon l'attendez, yon dans pouvoir, yon dans opposition, ou ap chamaye, ou quoi c'est vrai, ça fait personnel yo yap régler. Nous imaginez Magali Habitant. Vous comprenez? Yon fanatique de Jovenel Moïse. Qui remet ensemble avec Arnel Belizer, un opposant farouche du feu président Jovenel Moïse. Les contraires s'attirent, hein? Les contraires s'attirent toujours, mais qui se ressemblent s'assemblent aussi. Deux mouns au fait pour vivre ensemble. Yo fait pour vivre ensemble. Donc, pays d'Haïti, c'est un pays bluff. Pays d'Haïti, c'est un pays bluff. C'est l'opre où connaît nos pays ça. Petite information supplémentaire. Nous ne pouvons pas dire que le pagé a rien pour. Oh oui, c'est une actualité, mais qui parle une actualité politique. Eh bien, pays d'Haïti, c'est le cinquième pays côté garçon yo gagné plus gros pénis, soit 1,72 m de size. Qui donc là, mesdames, là nous gagnons garçon haïtien dans menou, faut que nous connaissons qui Jean pour nous gérer. C'est juste une petite information de rien du tout, même pensé que un pile monde t'a souhaité connaître. Et c'est sous notre ça, nous allons bout avec information nous pour aujourd'hui. Merci d'être que vous like, commenter, partager et merci d'être que vous sous amis fidèles. Tac et faut plus pas oublier toujours checker sur un monde qui dans entourage nous parce que maladie dépression est vraiment présent et li pas yon fausse alerte parce que plus fort haïtien là à vivre de façon côté y a caché vraie émotion yo et y a à l'intérieur. Nous vous rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis, protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.